Ya está, me olvido de la ventana, no te jodo más. Ya está, punto, otro tema, punto, listo. Te pido una cosa, vos tapame el agujero, dejame todo como estaba y la semana que viene, si querés, con tiempo, nos tomamos unos mates. Je vais demander à Marie-Jeanne Dumont ce qu'elle a pensé de ce film, puisque c'est la première fois qu'elle le voyait. Et puis ensuite, on parlera de Le Corbusier, on parlera de tout ce qui peut tourner autour de cette maison. Alors Marie-Jeanne, comment c'était ce film? Moi, j'étais très impressionnée. Vraiment, je ne connaissais pas. J'ai trouvé que c'était très bien filmé. Alors, certains gros plans, on ne voit pas beaucoup la maison, finalement. À certains endroits, mais pas l'ensemble. Donc, c'est vraiment pas du tout une visite guidée de la maison, mais en même temps, l'intrigue et tous ces regards et ces questions de voisinage m'ont beaucoup impressionné. Mais c'est vrai sans doute que l'idéal qu'ils avaient de d'interprénétration de l'intérieur et de l'extérieur. Provoquer ce genre de situation, mais quoique c'est tout à fait illégal. Les règles sont les mêmes en France, hein, on ne peut pas du tout percer une fenêtre dans un mur mitoyen dans son voisin. C'est vrai qu'on ne voit pas tant que ça à la maison, mais quand même on en perçoit pas mal de détails à certains moments. On arrive quand même à en percevoir. On n'en voit peut-être pas la globalité, on ne voit pas le plan, ça c'est sûr. Oui, on ne voit pas le plan, on ne voit pas les chambres, on voit un petit peu le séjour, mais pas complètement. Par contre, on voit très bien le dispositif de rampe qui permettait donc de monter plutôt que des escaliers, et puis les vues que permet cette terrasse par rapport au logement. Le filtre que constitue la grille de béton par rapport à l'extérieur. Oui. Mais il s'est concentré sur certains endroits, hein, et pas sur d'autres. Il n'a pas cherché à disperser l'action à plusieurs endroits, puisque finalement c'est la fenêtre, le cadre central de l'intrigue, du drame. Alors dans le livre que nous sortons à l'occasion de la Biennale, j'avais demandé à Marie-Jeanne Dumont de faire un texte, et effectivement, la question de la ville sur mesure qui nous occupe dans le cadre de cette biennale pouvait paraître un petit peu anachronique avec l'œuvre de Le Corbusier. Et elle a trouvé, vous verrez à la fin du livre, elle a trouvé le moyen de parler de Le Corbusier qui n'a pas toujours été. Dans son existence, l'homme qui voulait faire plus ou moins la table rase, qui avait des idées de plans comme le plan voisin qu'il avait prévu pour Paris, c'est-à-dire de tout, finalement, de raser une partie du centre de Paris, et il avait des plans voisins adaptés à d'autres villes. Et finalement, le jeune Le Corbusier n'avait pas du tout ces idées-là. C'est le texte que Marie-Jeanne Dumont
a publié dans le livre « Reconstruire la ville sur mesure », donc elle exprime très bien qu'au contraire, il avait dans sa jeunesse des idées tout à fait différentes. Il a basculé dans un autre sens après, mais peut-être Marie-Jeanne pourra dire quelques mots. Oui, avant d'être cet urbaniste qu'on juge utopique, lui se sentait même pas utopique, hein. Il était persuadé que l'urbanisme irait dans ce sens de la table rase, de la grande échelle, des bâtiments en hauteur, et de quelque chose qui peut s'appliquer à toutes les métropoles, un schéma s'appliquant à plusieurs métropoles. Et dans sa jeunesse, au contraire, en fait, il a été éduqué à l'architecture et à l'urbanisme dans le sens du respect de la ville ancienne. Voilà, c'est un peu... on ne le sait pas, on en fait rarement état, mais il était adepte des cités-jardins, donc un urbanisme pittoresque, de la petite échelle, de la faible densité, et de scénographie urbaine très raffinée, et puis très intéressé par les villes anciennes suisses et allemandes, notamment parce que son professeur, celui qui lui a demandé de devenir architecte pour se mettre au service de sa ville natale, espérait que les responsables communaux, les édiles de la Chaux-de-Fonds, sa ville natale, voudraient bien réécrire cette ville, qui était une ville neuve du 19e siècle, dans le sens d'un retour à un pittoresque urbain qui aurait été plus proche des autres villes de Suisse. Donc, comment faire d'une ville rationnelle comme était la Chaux-de-Fonds, rationnelle, ligne droite, îlot rectangulaire, des bâtiments tous identiques, même gabarit, tous bien écartés. Il voulait recréer des courbes, des places fermées, des tableaux urbains inattendus, dissymétriques. Et donc le jeune Le Corbusier, qui s'appelle à l'époque Charles-Édouard Jeanneret, était missionné pour aller en Allemagne, notamment visiter les villes anciennes pour que les responsables de la Chaux-de-Fonds puissent apprendre une autre manière de faire de l'urbanisme, plus sensible, plus s'attachant plus au relief, à toutes les spécificités locales, et dans un esprit d'harmonie urbaine d'esthétique urbaine, d'art urbain, au lieu d'un urbanisme rationnel qui était celui de la Chaux-de-Fonds. Donc voilà, lui, étant jeune, il est vraiment dans l'urbanisme du pittoresque et du charme des tissus anciens. Et ce n'est que plus tard qu'il s'est converti à une approche moderne, brutale, la grande échelle, la métropole et tous les problèmes qui sont à résoudre dans ce sens. Et du coup, il est effectivement allé à Buenos Aires avant de faire cette maison. Pas au moment de la maison, mais il y est allé en 1929 pour une tournée de conférences et il a découvert Buenos Aires. Je suppose que M. Kourouchet, qui lui a commandé cette maison, le savait. Il est resté assez attaché à Buenos Aires et aux jeunes architectes argentins. Et il leur a proposé un plan voisin pour Buenos Aires. Alors là, en l'occurrence, il n'aurait pas démoli la ville. Son idée était de proposer une cité financière, puisque c'est chaque fois une cité financière qui est le prétexte à une rénovation des tissus urbains, des métropoles. Et la cité financière, il proposait de la faire sur une plateforme artificielle sur le Rio de la Plata en face de Buenos Aires. Donc, c'était d'ailleurs un très très beau projet qui serait assez proche de certaines réalisations plus récentes, hein, de terrains artificiels sur lesquels on va mettre une infrastructure qui fait face à la ville. Et en ayant cette cité financière donc sur la mer, enfin sur l'eau en tout cas, à l'embouchure du Rio de la Plata, il pensait que cette capitale de l'Argentine, qui était entièrement tournée vers l'Europe, puisque composée de beaucoup d'émigrants européens, aurait enfin la façade vers l'Europe qu'il lui fallait. Donc les paquebots auraient
aurait vu à l'arrivée les gratte-ciel de Buenos Aires, comme les paquebots voyaient les gratte-ciel de New York en arrivant à Manhattan. Donc voilà. Son voyage à Buenos Aires, ça date de quelle année alors ? 1929. Et il construit la maison en 1946. Oui, 1948. Juste après-guerre. Mais donc il connaissait Buenos Aires. Oui. Et il était resté lié avec deux jeunes architectes argentins avec qui il espérait collaborer à ce plan d'urbanisme de Buenos Aires. Bon, ça ne s'est pas fait, mais il a longtemps correspondu avec eux. Il les a fait venir aussi dans cette organisation internationale qu'on a appelée Congrès international d'architecture moderne, les SIAM. Donc il était déjà, il avait fait une tournée de conférences en Amérique du Sud, donc Buenos Aires, Montevideo, São Paulo, enfin voilà, il avait circulé dans toute cette partie d'Amérique du Sud. Il était en fait très attiré par l'Amérique en général, du Sud comme du Nord, mais il y a très peu construit. Il était très attiré, mais il y a très peu construit, mais il a fait des projets, donc un projet donc, pour Buenos Aires qui, pour Buenos Aires, a été une première esquisse en 1929, repris dans les années 30. Hein, donc il a vraiment espéré faire quelque chose à Buenos Aires dans les années 30. Dans d'autres villes, c'est resté des sortes de fantasmes d'urbanisme, d'infrastructures ou de mégastructures dans le territoire. Et puis en Amérique du Nord, il a beaucoup espéré aussi. Et le moment où il a le plus espéré, c'était quand a été lancé le projet pour la construction du siège des Nations Unies à New York. Il participe au concours, il a plus ou moins gagné le concours. En tout cas, il était un des projets les plus séduisants et satisfaisants aux yeux du jury. Mais finalement, les Américains ont gardé l'idée, mais on fait construire par des architectes américains. Ils ont jugé que peut-être un Français ne peut pas ce qu'il fallait pour un gros chantier à New York. Et en Amérique du Sud, il a eu des contacts avec Oscar Niemeyer, je crois. Oui. En Amérique du Sud, puis à Paris. Il a participé à la construction du ministère de l'Éducation nationale à Rio. Le ministère avait lancé ce projet de reconstruction. Les architectes brésiliens, qui étaient déjà très très bons, hein, Niemeyer et d'autres, avaient fait un projet qui n'avait pas été jugé satisfaisant. Donc on a demandé à Le Corbusier une autre idée. Et à partir de l'idée d'un gratte-ciel unique, d'une forme et d'une proportion qui se rapprochait des recherches de Le Corbusier, les Brésiliens ont finalement dessiné ce projet et construit ce projet. Donc, il a servi un peu de conseil extérieur aux jeunes architectes brésiliens. Et il n'est pas vraiment l'auteur du bâtiment, mais il a correspondu et beaucoup discuté avec eux. Peut-être qu'à ce stade, et après avoir vu le film, vous souhaitez intervenir, poser des questions. À la fois, ça peut être sur le film, je ne suis pas certain que sur le film, nous puissions tout à fait répondre, mais on pourrait essayer. Et sinon, sur l'œuvre de Le Corbusier, sur son approche de l'architecture et de l'urbanisme, il est assez fréquent de dire que c'était un architecte génial, mais que c'est sûrement l'un des deux ou trois grands architectes du XXe siècle, voire peut-être du XXe et du XXIe siècle, même si sur le plan de l'urbanisme, il avait des idées qui n'ont plus du tout cours aujourd'hui et qui peuvent effrayer d'une certaine manière. Est-ce que quelqu'un a une idée, une intuition, une question à poser ? Oui, il y a un monsieur là-bas qui demande la parole. Est-il vrai que pour la construction de la cité radieuse à Marseille, Le Corbusier pensait en faire un abri anti-gaz en vue des conflits? Alors, pour l'unité d'habitation de Marseille, j'en doute. Mais
Il a effectivement travaillé sur le problème de la guerre aérienne et de la résistance des grandes structures aux attaques aériennes et au gaz. Effectivement, il y a des dessins, tout un tas de recherches qui lui ont été inspirées par un colonel de l'armée française qui réfléchissait à ces questions. Et la réponse qu'ils ont imaginée, donc ce militaire discutant avec un architecte comme Le Corbusier, était que pour les gratte-ciel ou les immeubles en hauteur comme des barres assez hautes, telles que l'unité d'habitation de Marseille, 50 mètres de haut, eh bien, on serait mieux protégé. Donc il fallait faire effectivement une dalle très épaisse en haut, une sorte de blindage sur la terrasse, de façon à ce que les bombes aériennes soient arrêtées par ce blindage. Finalement, c'est ce qui s'est un peu passé pour les abris de sous-marins du mur de l'Atlantique, hein, donc des dalles extrêmement épaisses qui résistent à tout. Donc lui, imaginez une dalle très épaisse, très résistante. Donc il y a l'idée que les bombes viennent d'en haut, l'idée que attaque aérienne puisse arriver de côté comme ça s'est passé le 11 septembre n'est pas envisagée. Hein. On imagine des bombes venant d'en haut. Et quant au gaz, il imagine que si on envoie des gaz, il vaut mieux un tissu urbain complètement ouvert, donc tel que des tours et des barres, parce qu'alors les gaz vont se disperser assez vite dans l'atmosphère, plutôt qu'un tissu urbain plus fermé, à plus petite échelle, dans lequel les gaz resteraient au niveau du sol et ne pourraient pas se disperser. Voilà, ce sont les idées des années 30. Hein. Mais je pense qu'en 1950, dans le contexte de pénurie de matériaux de l'après-guerre, je doute qu'on ait fait une date très épaisse en haut de l'unité d'habitation de Marseille. Hein. Ce n'est pas a priori fait pour résister aux attaques aériennes. Parce que quand les Allemands ont fait des dalles résistantes aux attaques aériennes, par exemple pour les bases de sous-marins de l'Orient et autres, alors ils ont mis plusieurs mètres de décollement. Je voulais vous remercier d'avoir programmé ce film que moi j'ai déjà bien vu, qui est vraiment remarquable, et qui par ailleurs me semble, sur la question de l'architecture, assez intéressant. Ça. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'il a utilisé peu d'espace dans la maison et finalement qu'on s'y déplace assez peu. Moi, je notais également que souvent on a affaire à des corps fragmentés, c'est-à-dire des plans comme ça sur des visages, ou comme ce dernier plan d'ailleurs à la fin, où c'est juste le buste comme ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pendant tout le film, quand même, le point de vue du cadrage, de la réalisation, essaie un peu de nous montrer ce que vraisemblablement on pourrait imaginer voir dans cette maison, avec à la fois de grands espaces et puis des lignes très autoritaires comme ça, des choses qui coupent l'espace. Évidemment, c'est remarquable sur cette problématique essentielle de l'architecture dans ce cadre d'habitat-là, c'est-à-dire la question de la cohabitation entre des voisins. Je crains que dans la réalité, il y ait peu d'exemples. Alors, il y a beaucoup de problèmes de voisinage, ça c'est sûr, mais il y a peu d'exemples de voisins aussi différents en termes de classe sociale. Et puis, ça parle aussi, j'ai beaucoup, je crois aussi d'ailleurs, c'est assez marrant de voir jouer avec ces bottines-là et ces doigts, d'exhibitionnisme. C'est aussi une question de l'architecture, qu'est-ce qu'on donne à voir, qu'est-ce qu'on peut voir, on est voyeur, on est vu, etc. Bon, alors donc, et juste pour finir, il est question aussi beaucoup dans ce film entre la lâcheté de ce propriétaire, dans le paradis très sympathique finalement, et l'autorité dont il s'agirait de faire preuve. Il est question souvent de la question de l'autorité, il dit ouais, mais moi je lui ai dit, je l'ai calmé, c'est réglé, etc. De l'autorité aussi de l'architecture et du Corbusier. On dit beaucoup de cet architecte-là qui était très autoritaire, et on a écrit beaucoup de choses sur lui, notamment aussi totalitaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette question de l'autorité? Il y a même des termes et des mots qui ont été utilisés parfois à propos de lui, qui étaient quand même très fâcheux. Quoi. Oui, alors le débat, c'est Le Corbusier est-il fasciste? Non, mais oui. Sur l'autorité. Non, c'est plus la question de le ramener à son travail d'architecture, oui. À votre point de vue d'architecte. Voilà. Là-dessus. Aucun architecte ne peut être autoritaire. Parce que s'il est autoritaire, il perd la commande. Hein, surtout lorsqu'il s'agit de commandes privées de ce type. Donc, il n'est absolument pas autoritaire.
il essaie d'interpréter la demande qui lui est faite, hein, et les personnes qui lui demandaient une maison, il n'en a pas fait tant que ça dans sa vie, mais il en a fait un certain nombre. Pour qu'il ait accepté de faire une maison à Buenos Aires, à cette époque-là, il a vraiment fallu que je pense que le propriétaire soit relativement convaincant et insistant. Mais il n'est pas autoritaire dans les plans. Il a toujours été très curieux de savoir ce qu'on lui demandait, ce que voulaient les familles. Si la Villa Savoie à Poissy est si étrange, c'est parce que la famille avait exprimé des besoins tout à fait particuliers, une maison de week-end, un fils pré-tuberculeux, ce genre de choses, enfin, donc, qu'il a pu interpréter. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il est autoritaire. Il a essayé vraiment de répondre à ce qui pouvait être exprimé ou implicite dans la demande des familles, mais il essaye aussi que chaque projet rentre dans l'idée qu'il se fait du progrès de l'architecture. Il veut travailler pour l'homme, il veut travailler pour la société, il veut travailler pour la famille, et donc son obsession est que l'architecture peut rendre heureux ou malheureux, et que donc c'est sa responsabilité à lui. Donc il peut paraître autoritaire en ce sens qu'il va peut-être avoir des solutions que n'imagine pas le client, mais toujours dans le sens de rendre heureux les hommes. C'est vraiment quelqu'un dont on peut dire qu'il n'est pas cynique. Voilà. Il y en a eu. La génération de l'après-guerre qui a fait des grands ensembles, indéniablement, ils ont une certaine forme de cynisme. Alors lui, on ne peut vraiment pas lui reprocher ça. Ensuite, d'un point de vue politique, à son époque, dans les années 10, 20, 30, l'urbanisme souffre de beaucoup de problèmes entre l'échelon local et l'échelon national. Disons que globalement, les intellectuels de l'époque pensent qu'on n'arrive pas à résoudre certains problèmes de l'urbanisme français à l'époque comme le font d'autres pays. Et on n'arrive pas non plus à avoir des politiques de logement social ambitieuses parce que le pouvoir politique est trop faible. Donc beaucoup d'intellectuels de l'époque non seulement pensent qu'une démocratie n'y arrivera jamais, la Troisième République moins que personne, et que notamment pour les questions d'urbanisme, il faut une autorité plus forte que l'autorité locale des élus. Voilà. Qu'il faut recentraliser l'urbanisme et avoir des décisions, une politique volontariste et des décisions autoritaires qui s'imposeraient aux villes, et voilà, Paris comme les autres villes. Et il n'est vraiment pas le seul à dire cela, hein, parce que c'est Giraudoux, titre un livre plein pouvoir, hein, c'est bien ça, de ça aussi qu'il est question. Donc un urbanisme fort, dans les mains d'un régime autoritaire, effectivement, il a rêvé ça et il n'est pas le seul à le rêver. Par ailleurs, les livres qui ont été publiés il y a, je sais pas, 2 ans à peu près, qui effectivement le traitaient au moins pour un des 3 livres qui ont été publiés en même temps, il y avait un livre qui le traitait effectivement de fasciste, s'appuyant beaucoup sur son attitude pendant la Seconde Guerre mondiale, où effectivement il a pu essayer de s'approcher du régime de Vichy, mais il n'y est pas arrivé. Et en fait, s'il a essayé de s'en approcher, c'est parce que c'était un architecte et que justement, par rapport à son idée d'essayer de faire le bonheur des hommes, sa volonté de faire le bonheur des hommes, eh bien, il essayait de s'approcher du régime pour trouver de la commande et faire en sorte qu'il ait à construire des logements, il ait à construire des cités qui correspondent à ce que les gens attendaient. Moi, j'ai des amis qui vivaient dans la cité Rabouze à Marseille, et donc j'ai eu l'occasion de passer du temps. Je trouve ça remarquable, en fait, cet ensemble jusqu'à la terrasse,
tout ce qui est pensé pour qu'on puisse vivre et que tout est là pour les enfants, etc., à portée de main, enfin, tout est simple dans cet endroit-là. De la même manière, c'est où Saint-Étienne, Firmini, je crois, cet ensemble avec le stade également, etc. J'avais cru comprendre qu'on lui reprochait peut-être, non, moi j'apprécie énormément l'architecture, cette architecture-là, qu'on lui reprochait peut-être justement dans ce rassemblement, dans cette certaine forme d'excès à vouloir concentrer les choses dans un même lieu. Mais, on lui a reproché ça hein, dans les années 60. Mais c'était quelqu'un comme Pierre-Franck Estelle a dit que c'était un camp concentrationnaire, enfin quelque chose, une architecture concentrationnaire. Mais les habitants eux-mêmes ont toujours manifesté leur satisfaction, et même c'est assez rare. Donc pendant le chantier, ce chantier a été attaqué de toutes parts, hein, les architectes étaient furieux, les médecins ont prédit qu'il y aurait des aliénés, Auguste Perret a dit que c'était une architecture à se taper la tête contre les murs. Tous les corps constitués ont attaqué ça, les jeunes entrepreneurs, tout le monde, hein, c'est même incroyable qu'on ait mené le chantier jusqu'au bout. Mais quand les familles sont arrivées, et l'État était tellement embarrassé que le ministre a dit à ce moment-là, le Corbusier, écoutez, moi qu'est-ce que je fais de toutes ces protestations, hein, parce qu'il y a plein de procès, hein, au nom du patrimoine, au nom d'économie, au nom des réglementations, parce qu'il avait eu le droit de déroger au règlement. Et le ministre lui dit, mais moi, qu'est-ce que je fais avec toutes ces plaintes, et qu'est-ce que vous allez faire pour y répondre? Il dit, moi, je n'en tiens aucun compte. Et le ministre a dit, bon, alors, très bien, nous allons finir le chantier, mais ce bâtiment ne s'appellera pas bâtiment fait par l'État. Il s'appellera bâtiment Le Corbusier. Je ne veux rien avoir à faire. En gros, on s'en lave les mains. On ne veut pas qu'il soit dit que c'est l'État qui a fait cela. Vous le signerez. Et puis, voilà. Assumez donc la responsabilité de ce que vous faites. L'État a si peu assumé que les logements ont tous été vendus. Le bâtiment est habité par des locataires au début. Et puis, il est vendu. Du coup, ça devient une copropriété. Mais on sait qu'au moment de la vente, et juste avant, dès que les habitants ont été dans leur logement, et encore plus quand ils en sont devenus propriétaires, parce que c'est la plupart des locataires qui ont acheté, à des taux très intéressants, on est dans l'après-guerre, tout est fait pour que les gens puissent devenir propriétaires, eh bien, ils ont même écrit des lettres. Ils l'ont défendu, ils ont accepté que le bâtiment soit visité tout le temps, parce que là, on voit trois petits étudiants... Quelques-uns qui viennent prendre des photos, mais à l'époque, les premières années, il y a eu 50 000 visiteurs par an. Il y avait des tours opérateurs qui faisaient visiter l'unité d'habitation. On pouvait acheter des collections de cartes postales. C'était un lieu très, très visité. Les habitants ont accepté cela et ont même témoigné, monsieur l'architecte, on est très content et plus on y vit, plus on est content. Donc c'est très rare que des habitants d'une opération de logement social hein, ou assimilé social manifestent leur satisfaction. Et puis on peut dire que ça continue jusqu'à aujourd'hui puisque c'est un emblème de Marseille et qu'il n'est pas indiqué son adresse. Il y a des panneaux dans Marseille, vous savez bien puisque vous y êtes allé, qu'il y a des panneaux qui disent on va, le Corbusier, enfin, ou Corbusier, je ne sais pas si c'est le Corbusier ou Corbusier, mais en tous les cas, on va au Corbusier. Cité radieuse, oui, mais il doit y avoir le nom aussi. Non, il y a le nom, il y a le nom, absolument. Et c'est la même chose à Longchamp, on nomme plus les choses par le nom de l'architecte, ce qui est quand même très rare, que par le nom du bâtiment lui-même. Beaucoup de gens, ceux qui l'ont traité de concentrationnaire, d'une part, n'imaginez pas ce qu'on allait faire après, parce que lui, il y a 350 logements à Marseille, hein, grosso modo, et pareil dans les autres, entre 350 et 400. Mais après, on a fait des bâtiments à 4000, à des milliers de logements. Donc, le concentrationnaire, il est peut-être venu dans d'autres opérations, mais Marseille, évidemment pas. Je pense que les gens qui disaient ça jugeaient sur plan, hein, pour une partie. Un bâtiment qui fait 24 mètres d'épaisseur, tout le monde a pensé que c'était inhabitable parce qu'il y aurait du soleil d'un côté et de l'autre et qu'au milieu ce serait sombre et inhabitable. Et donc les journalistes radiophoniques à l'époque
visitent Marseille au début et disent ah oui, je monte l'escalier, mais je vous assure, c'est clair, je vois bien. Ce n'est pas si sombre qu'on a dit. Donc voilà, on a dû même faire une maquette grandeur nature à Paris pour montrer que c'était habitable. Et voilà, et la satisfaction des habitants, je crois, c'est un cas unique. Et le souci de Le Corbusier par rapport aux habitants, on le voit dans un film où il est sur la terrasse de son unité d'habitation de Marseille, et il y a les enfants qui sont là dans la crèche et qui viennent jouer avec lui. Et bon, Corbusier, c'est chapeau, le papillon, etc. Il a un costume, il est un peu emprunté, mais il est très content que les petits-enfants viennent à lui, parce que ben voilà, c'est la réussite de son travail. Il est dans son bâtiment et sur le toit, il y a la crèche, enfin l'école, qui est là. Bon, tout ça a un petit peu changé, ça ne s'est pas forcément adapté aux réalités d'aujourd'hui, mais en même temps, ça vit très bien. Madame, on va vous donner un micro pour qu'on puisse vous entendre. Oui, je crois que ce qu'il est intéressant de souligner aussi pour la cité radieuse de Marseille, ou pour Rezé par exemple, c'est que ces bâtiments ont plus de 50 ans, les gens y sont toujours aussi contents, c'est-à-dire que le système de fonctionnement et de conception des appartements n'a pas du tout vieilli ou a vieilli d'une manière telle que ça satisfait encore les gens qui y habitent aujourd'hui. Et ça, c'est peut-être pas le dire de beaucoup de bâtiments construits il y a 50 ans. Oui, c'était... Mais il faut imaginer que pour arriver à cette conception-là, il avait mis 40 ans de recherche. Ce que lui a dit, parce qu'il n'a pas travaillé un projet, c'était une idée qu'il avait en tête depuis longtemps, que le logement, il fallait inventer un logement moderne, que ça ne pouvait pas être du logement à l'ancienne, un peu retravaillé, qu'il fallait trouver une nouvelle échelle, une manière... Voilà, donc c'est une très très longue recherche qui aboutit à cela, donc c'est pas étonnant aussi, tout était pensé. Et je voulais aussi ajouter qu'à Rezé, contrairement à la cité radieuse, ils refusent de vendre les appartements, c'est-à-dire qu'il y a un quota d'appartements locatifs qui est respecté, qui a justement gardé la mixité sociale qui s'est un peu perdue à Marseille. À Marseille, oui, ça s'est perdu. Et dans le film, ils évoquent la hauteur sous plafond à 2,26 m. Donc, est-ce que c'était une norme de cet architecte ou Non, c'était une de ses inventions, de création, disons plutôt. L'idée que pour vivre à l'échelle familiale, dans un cadre domestique, une hauteur uniforme à 2,50 m, comme on l'a fait aujourd'hui, n'est pas forcément l'idéal. Donc, lui, il a dans l'idée que pour que le logement petit soit supportable, il faut qu'il y ait des hauteurs sous plafond variables. Donc là où il y a 2,26, ce sont les chambres et les petits espaces, mais 2,26 plus 2,26 donne 4,50, et donc il y a toujours un séjour sur double hauteur avec deux étages de chambres ou de petites pièces ou de pièces de service plus basses. Donc, quand on habite l'unité d'habitation de Marseille, mais dans beaucoup d'autres maisons, on a ces effets de dilatation d'espace quand on est dans le séjour, très haut, et puis des lieux plus petits, plus intimes, plus resserrés. Et il a développé toute une théorie sur les mesures et les proportions harmonieuses, dérivées du nombre d'or, donc dérivées de calculs et de géométrie très anciennes qu'il a adapté à ce qu'il appelle l'échelle humaine. Et donc, voilà, il a établi tout un système de mesures, et 2,26 était l'une de ces mesures, en même temps que 113, en même temps que plein d'autres. Voilà. Plutôt, il pense que le centimètre n'est pas, quand on dessine ses plans, avoir un double décimètre, tout ça ne vous aide pas à bien proportionner les choses. Donc pour proportionner les éléments d'habitation les uns par rapport aux autres, il pensait qu'il fallait une échelle harmonique
qu'il a appelé Modulor, et 2.26 est un des éléments de ce Modulor. Mais il n'y a jamais 2.26 tout seul. Il n'y a 2.26 que par rapport à une hauteur plus grande dans certaines pièces. Veut-il intervenir? Oui. Est-ce que c'est son urbanisme, est-ce qu'il a influencé son architecture ou le contraire? Les deux en même temps, parce que est-ce qu'on peut justement les séparer? Est-ce que justement au début, si il faisait une architecture, disons, plus humaine, et puis un urbanisme qui lui correspondait, est-ce que le fait qu'il ait une dimension de l'architecture nouvelle a entraîné un urbanisme nouveau? Est-ce que pour construire ces immeubles, il était obligé d'avoir un urbanisme inhumain? Évidemment, formulé comme ça, c'est une critique assez dure. Un urbanisme inhumain pour une architecture urbaine. Mais comment ça s'est dialectisé, quoi? Comment oui, alors, ça a joué je ne sais pas, je pose une question. Parce que... Oui. Ben dans sa biographie, les deux vont de pair. Comme je le disais, étant tout petit, encore étudiant, on lui demande d'aller regarder les villes allemandes et les villes anciennes de Suisse, pour essayer d'en déduire des règles pour un urbanisme pittoresque. Et puis, il découvre Berlin, il découvre Paris, Londres, les métropoles, et les solutions un peu théoriques de table rase, de cités financières, d'immeubles à grande échelle, lui viennent petit à petit à cause du problème des métropoles, il faut bien dire, très congestionnées et... en difficulté à l'époque. Hein. Donc Berlin à l'époque est une ville à démographie un peu galopante qui s'industrialise à toute vitesse et donc qui cherche des solutions. Et les solutions dictées par toutes ces statistiques sur la vie économique et la démographie des métropoles et les projections qu'on a à l'époque, on a des projections très optimistes, en tout cas. Si on peut appeler ça de l'optimisme, on pense que les villes vont croître de façon exponentielle. Et donc, si les villes sont amenées à croître de façon exponentielle, il faut maîtriser cela par des opérations de grande échelle. La ville l'oblige à penser à grande échelle. Alors que dès qu'il est dans l'habitat, il est dans l'intimité, le rapport entre l'individu, la famille, la collectivité. Enfin, voilà, il travaille à très petite échelle, y compris l'échelle du meuble. Il dessine chaque niche dans ses maisons, il dessine des meubles, il est attaché à tous les détails, hein, la poignée de porte, le placard, mais simultanément, il est persuadé que les métropoles doivent changer. Si on regarde la ville de Chandigarh, c'est une ville quand même de la taille humaine et où on retrouve cet urbanisme un peu débridé. Oui, mais ça reste une ville où on fait une sorte de zoning, ce qu'on a reproché à l'urbanisme moderne, de séparer les fonctions. Lui, il met un capitole administratif et politique à un bout, les quartiers d'habitation, etc. Il hiérarchise les voies. Mais l'urbanisme, il ne faut pas lui attribuer tous les défauts de l'urbanisme moderne, hein, parce qu'il n'est pas le seul à faire des projets. Il y a eu des projets, si j'ose dire, bien pire que lui, dans les années 50, 60, un peu avant. Je crois qu'il y avait dans l'air du temps, et notamment chez Le Corbusier, une sorte d'idée de suppression de la rue. Alors, c'est un peu extrémiste quand je dis ça, mais effectivement, la rue, par exemple, dans les unités d'habitation, elle était intégrée dans le bâtiment lui-même, de façon à ce,
à permettre de créer des voies sur lesquelles les voitures puissent rouler très vite, indépendamment, et donc en permettre toute la sécurité dans les bâtiments. Et donc la rue, au sens où elle avait où elle existait depuis fort longtemps, disparaît un petit peu à ce moment-là, tout au moins dans les théories. Et c'est dans les années 80 qu'on a commencé à redécouvrir un petit peu les bienfaits de la rue. C'est là où je pense que l'urbanisme, je ne sais pas si on sera d'accord, mais l'urbanisme de Le Corbusier était un petit peu... était en défaut, en tous les cas. Bah, on sait bien, à Yonville, il n'y a pas de rue. Si, il y a des rues en ville, non ? Aéroville. Disons que séparer les voitures des piétons a été une grande utopie du XXe siècle. Tout le monde a pensé qu'il fallait vraiment séparer les flux de circulation et que la ville serait rendue aux piétons. Le résultat de cet urbanisme de dalle s'est révélé moins satisfaisant que ça. Donc tous les systèmes, il faut monter sur la dalle, redescendre. Donc on voit que c'est un des problèmes ici. Encore ici, ça semble être à petite échelle, mais à grande échelle, ça a été une catastrophe. Mais c'est même lui et des cas parmi des milliers d'urbanistes qui ont pensé ça. Bien, écoutez, si plus personne ne veut prendre la parole, je vous remercie beaucoup de votre attention et d'être venu pour ce film. Et puis, les prochains rendez-vous de la Biennale sont indiqués sur les programmes que vous avez, j'imagine, tous. Donc, nous vous attendons au prochain rendez-vous. Le prochain, c'est la rencontre architecture et littérature qui a lieu à l'abbaye d'Ardennes avec Paul Andreu et Nathalie Azoulay. Et c'est jeudi soir. Merci à vous. Merci à vous.